C'est toujours les exploiteurs des succès artistiques qui nous enfoncent. Parce que dès qu'on a la tête hors de l'eau, il y a des types qui n'ont rien à voir avec l'art, qui se précipitent dessus, qui vont influencer les politiques, parce que finalement, c'est les politiques qui mettent en place toutes ces structures-là. Alors les structures se trompent, laissent tomber les vrais acteurs et prennent les parasites pour faire quelque chose. Ce sont ces parasites qui nous emmerdent tout le temps. Ça, c'est mon avis. Hein? Il faut qu'il y ait une chirurgie. Il faut connaître le pays pour savoir vraiment comment manœuvrer. Pour... Parce qu'il y a des gens qui savent que ça ne fonctionne pas, mais qui ont juré que quand ça fonctionnera, ils seront à la tête, ou en tout cas très près de la tête. Ça, c'est le Sénégal qui est comme ça. C'est des profiteurs. C'est le problème. Alors donc, nous, on est obligés, tant qu'on n'a pas de structure valable qui s'occupe de nous, bon, on travaille honnêtement, et puis bon, on reste dans l'ombre. Ça ne coûte rien. Mais il faut un groupe, on peut dégager là-dedans des idées générales sur toutes les articulations des arts plastiques. C'est le bon format. Et vous êtes le premier groupe qui est de là, pour le truc que vous préparez là, vous aurez loupé le truc. Et puis il ne faut pas laisser un interstice au tocard. Il faudra que ce soit un groupe. Même s'il y a des groupes, des personnalités à cheval entre deux techniques ou deux disciplines, ce n'est pas grave. Mais il faudra en tout cas que vous formiez complètement le secteur culturel en entier. Même si vous êtes sans, il faut absolument que le groupe, quand on l'aura cité, on sache qu'ils ont bouclé toutes les issues des activités culturelles, des choix culturels, des initiatives culturelles, des conduites culturelles, etc., etc. Parce que, comme vous l'avez dit, depuis que Senghor est parti, on parle tout le temps de la culture du Sénégal. Comme référence, c'est formidable. Bon, mais depuis Senghor, que vous venez, vous avez fait. Il y avait Senghor. Cheikh Anta était là sans être là. C'est sa performance. Il a fait son travail technique et intellectuel à part. Il a produit, il a fait des conférences, etc. Mais il n'a jamais attiré personne dans son cercle pour faire le truc. Mon rec d'Oyonne comme référence. Je me souviens, j'étais étudiant à la Maison de la France de Toumer à Paris. Mais c'est que je dis, Cheikh vient faire une conférence ce soir. Les gens ne vont pas bouffer pour avoir une bonne place. Il vient, il insulte tout le monde. Ah, il dit, mais vous vivez dans ce merdier-là, pourquoi vous faites ça? Un tel a fait une telle déclaration, vous ne l'avez pas cassé la gueule. Oh, il fait bouger tout le monde, et sur des choses extrêmement solides, pour dire que le Sénégal doit faire un coup de fumée. C'est l'occasion de décoller définitivement, en tout cas en Afrique, sur la question culturelle. Ça, il faut être capable de faire des sacrifices. Les gens qui viennent dire des conneries, il faut l'accepter jusqu'à ce qu'on dit le contraire de ces conneries. Il faudra que vous choisissiez à fond ce truc-là. Parce que ça, c'est le truc à vie ou à mort.